Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans notre émission gameplay en visu de compléter en fait notre force level sur le jeu Little Racer Street. Et donc vous pouvez le voir en fait j'ai amélioré donc ma bagnole. Donc en fait j'ai été dans upgrade et je pouvais tout acheter en fait par rapport au force level, j'avais assez. En fait c'était pas la value en fait que vous voyez à droite, j'ai pas de souris donc je peux pas vous montrer. Mais il s'agissait en fait à côté de power level 5, il y avait le tarif en fait. Donc du coup, pour ça que je pouvais upgrader autant que je voulais. Donc level maximum pour chaque véhicule c'est le niveau 5. Ok, donc ça c'est dit, donc là je suis au maximum de cette bagnole. On peut rapidement du coup avec les bagnoles de type E passer en type D, de type D passer en type C, etc. Et surtout on se fait un max de fric en solo assez rapidement. Alors niveau des classes, on propose toujours des bagnoles en type E, enfin des courses en type E. Mais quand je clique dessus on me dit que je n'ai pas de véhicule de type E pour y participer. Donc en fait le mieux c'est d'être au maximum de la classe, par exemple il faudrait que je sois au plus puissant de la classe E pour bien m'en sortir dans toutes les courses. Là par exemple je suis dans la classe D, je vous avoue que j'en chie un tout petit peu, hein, c'est même pas qu'un peu. On va faire une course en solo ensemble dans cette petite émission gameplay, je vais essayer de vous fournir le gameplay le plus qualitatif possible. Go. Hop. Vous allez voir tout de suite, c'est pas le même niveau quoi. Alors, vous voyez que je suis en orange, hein, y a pas de soucis là-dessus. Alors, y a toujours cette bagnole qui est devant moi dans toutes les courses, la même, hein, évidemment. Et ça se joue vraiment sur la conduite et non sur la puissance moteur, parce que je suis un peu faible en puissance moteur. Oh là, c'est un peu tendu pour moi, je vais me concentrer. Il est pas loin, hein. Ça joue à pas grand chose. Ok, mon tour le plus rapide. Merde. Après, on est vraiment dans une technique où la moindre erreur, on la paye. C'est-à-dire que si je me vautre, je me retrouve quasiment dernier, quoi. Alors l'autre, il doit avoir une reprise de malade sur sa bagnole parce qu'il nous grille tout le temps, quoi. Allez, hop. Voilà. Je suis tout le temps en second place actuellement. Bon, ça arrive. Mon véhicule arrive vraiment à ses limites. Donc, voilà. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu la peinture. J'ai mis un pattern différent. Hop. Et je suis passé 280, donc voilà, il y a moyen de débloquer des véhicules, après vous le voyez. Donc l'intérêt c'est d'avoir une bagnole dans chaque catégorie, tout simplement pour faire toutes les courses et débloquer tous les achèvements de chaque catégorie. Bon, on va voir s'il y a du monde en multi, je sais pas, à cette heure-ci en même temps il est assez tôt, je doute qu'il y ait du monde, je vous l'avoue. Steakhouse. Ok, creating game, ça veut tout dire. Hop, je vais hoster. On va voir si on trouve du monde. Du coup, on est en attente. On est en attente. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Hein. Là, donc, on est au profil, etc. Du jeu. Vous voyez qu'il y a pas mal de succès à débloquer. Regardez bien. Tac, voilà. Donc, vraiment des trucs assez sympas. Donc bon ça se fait rapidement mais assez sympa quand même. Record time class A, Descent Collection, Freshie, nana, ok. 500 km parcourus, True Talents, voilà, vous voyez, vraiment des succès assez sympas à déverrouiller. Hop, on va revenir du coup dans le jeu. Hein, ce serait pas mal. Tac. Il y a des cartes aussi assez jolies à collectionner. Bon, apparemment, il n'y a personne sur le multi. On va voir fan game. Hein. Alors, je suis désolé, je me racle la gorge parce que vraiment, je suis un peu malade. Non, il n'y a vraiment personne qui joue actuellement en multi. En même temps, il est très tôt le matin. Je doute qu'il y ait vraiment du monde qui joue en ce moment. On va faire quelques courses du coup de classe D. On va pas s'embêter. Waouh, celle-ci, trois grands tours comme ça, je le sens pas. Pas en vidéo, voilà.
vous le dis clairement. Wow. Alors on met ceux qui sont arrivés en dernier, en général à l'avant, d'après ce que je comprends. Voilà. Voilà, un nouveau jeu de mots. Voilà. Voilà là, voilà là, voilà là. Voilà là, doudou là. Wouah, je me fais pousser en plus, ils sont super agressifs. Oh putain. Je me fais pousser, ils sont over agressifs quoi. Merde. Putain, je me fais niquer à chaque fois. Le mec derrière, il déconne pas. Hein. Oh merde, ça c'est une petite erreur qui va me coûter cher. Ah putain, à chaque fois je me plante, pas ici, c'est après. Ah putain, non, 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 non. Ah merde, 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 ça va me coûter très, très cher. C'est sur 5 tours, les amis. Vous voyez que le nombre de tours a vraiment incrémenté par rapport au début des classes. Boum. Pardon. Là, c'est moi qui... Et on voit que le mec il est pas loin derrière quoi. Et on est number one. Wouhou. Génial. Franchement ce petit jeu m'éclate. Je vous l'avoue, je l'aime beaucoup. Ok, on a un nouveau succès du coup qui s'est déverrouillé. Et vous voyez en fait apparemment on a aussi des challenges progress par rapport au véhicule Lyon, c'est le nom de mon véhicule. First place on the any race, donc la première place dans toutes les courses, et on gagnera 5000 crédits quand j'aurai fait 3 courses supplémentaires. Voilà, on va encore en faire une ou deux, histoire que je vous laisse pas là-dessus non plus les amis, hein, faut pas déconner, hein, je veux pas vous prendre non plus pour des cons, je vais pas non plus vous faire des vidéos de 2 minutes et demie. 3, alors là on est dans un univers Chinatown japonais, très sympa. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Ah, putain. Ah, truc d'enfoiré, c'est un super cours. Un super cours, quoi. Ça va jouer au frein à main sur la ligne d'arrivée, quoi. Alors, ça va être chaud à remonter, par contre, parce que les mecs, ils sont en nitro dans les moindres petites lignes droites, et je vous avoue qu'il faut gérer le frein à main. C'est en 6 tours. Voilà, merde. Troisième, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Par contre, la nitro, du coup, n'a pas le temps de remonter. Je me concentre. En général, c'est au deuxième tour qu'on commence à bien comprendre les pièges du niveau. Alors toi, je sais pas si t'es le dernier ou le deuxième. Oh, toi, t'es le dernier, toi. Hop, ça, c'est cadeau par l'intérieur. Il est beau mon pot d'échappement, il est beau mon pot d'échappement. Wouh wouh wouh. Ok, on est troisième. Toujours la négrette, hein. Négrette. Alors, il n'y a rien de raciste. Vous voyez que c'est marqué, c'est comme... voilà, c'est... Ouais, je fais que lire, hein. Désolé, hein. C'est dingue, hein. Donc on peut estimer que ce soit une blague au volant. Le mec qui replace ça juste derrière la grosse base, quoi. Ok. Allez, on en fait une petite dernière. Alors, vous voyez la différence des tracés, en fait, hein. On a deux maps en fait, j'ai vu qu'il y avait deux maps, celle-ci et celle-ci. Et en fait ce qui diffère c'est vraiment la différence des tracés, donc voilà. Allez, on va se lancer sur celle-là. Une très très petite également. 1, 0. Alors, aller dans ce sens-là c'est pas la meilleure des choses que j'avais à faire. Le mieux c'est de prendre le premier virage par l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut se placer dès le début. Dans le sens de l'intérieur du premier virage. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est ce qui nous aiderait le mieux, je pense. Alors ok, c'est un peu bourrin comme technique, Tony, mais au final ça marche un peu. Ah putain, ouais, 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 c'était un coup de bol ça, hein. Ok, merde. Ok, je me concentre, pareil. Maintenant on est sur du 6 tours, vous l'avez vu, hein. Alors le mec est toujours devant, enfin Négrette est toujours devant. J'ai le nez qui me gratte et je peux pas le gratter, c'est une horreur. Ça y est bon. On s'en fout en même temps, vous me direz, mais... C'était assez chaud. Oula. On,
je vous avoue que ces derniers temps, j'ai eu des force level avec des bonnes surprises. Je voulais vous en parler. C'est pas parce qu'un jeu est triple A ou qui vient d'une grosse licence qu'il est forcément excellent. Franchement, je vous avoue que j'ai testé Tribloose 2, on a testé OMG Zombie qui est un peu dans un autre style quand même, mais Tribloose 2 qui m'a vraiment fait plaisir, et là je teste Little Racer Street et c'est encore une excellente surprise. Et je vous avoue que ça me fait plaisir de tester des jeux comme ça. Parce que franchement, ok, c'est peut-être des jeux indés ou par des petits studios, pas forcément indés, mais des petits studios. Ah, il y a une piscine. Et je vous avoue, bah écoutez, voilà, ça paye peut-être pas de mine au premier abord, mais moi ça m'éclate. Ça m'éclate. Allez, on avance. Et c'est surtout qu'on tombe aussi dans... D'ailleurs, je remercie les développeurs hein, qui me l'ont envoyé le jeu, je l'ai peut-être pas dit dans le Force Level. Mais voilà, c'est aussi un gain publicitaire, entre guillemets, sans prétention encore une fois, hein, pour les développeurs. Parce qu'ils font faire des vidéos à des gens comme moi qui vont avoir peut-être 100 vues, c'est peut-être pas grand chose, voire un peu plus, tant mieux. Mais au final, pour eux, c'est de la pub gratuite. Pour moi, c'est vraiment vous donner mon avis. De toute façon, vous savez très bien, moi, la passion, c'est le jeu vidéo. Et donc, j'ai aucun apport financier là-dessus, de toute manière, mais du coup, j'y gagne pas forcément mon pain, à part exercer vraiment ma passion, qui est de vous présenter des jeux vidéo de qualité, ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, vous présenter des bons tuyaux, ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est un gain pour tout le monde, quoi. Autant pour le développeur que pour le youtubeur, autant que pour vous également, parce que c'est un gain de visionnage. Donc moi, en plus, ça me fait plaisir de passer du temps avec vous. Donc franchement, tout le monde est gagnant là-dedans. Hop, final lap, on va essayer de remonter un petit peu. Ouais, c'est un peu compliqué à passer celui-là, faut le prendre en large. Oh là là, j'ai du mal là. Là, ma caisse a du mal. On restera, je pense, bon troisième sur cette course. Ce qui est franchement déjà pas mal. Third place. Ok, bon bah les amis, je vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps, je pense. On va regarder ce qui se passe. Ok, total crédit 88 000. Si on allait voir une bagnole à acheter, les copains, hein, avant de se laisser tranquillou, on a 88 000 boules. On peut passer sur la classe D avec une bagnole qu'on va pouvoir améliorer, qu'elle soit beaucoup plus puissante. Waouh, là on a un espèce de 4x4 Toyota Captur RAV4. Le mec il donne plein de marques bizarres, t'sais. Hop, celle-ci me paraît pas trop mal, on va l'acheter. Hop. My first car class D. Ok, nouveau succès les amis. Et est-ce qu'on peut l'upgrade du coup? Oui, bien sûr. On peut l'upgrade, on va rajouter de la nitro en masse par contre. Vous voyez, donc ça me coûte 2640. Et on va surtout y mettre du grip. Voilà. Non, on n'a pas pu mettre de grip. Ok. Et si on l'essayait avant de se quitter? Ouais, je sais, je suis un peu relou du coup, mais c'est important du coup de savoir à quel type de véhicule on a affaire. C'est important, c'est notre deuxième acquisition les amis. What? Go! Un peu molle. Mais au final, le compteur monte beaucoup plus haut. Donc ça peut être beaucoup plus intéressant. Oh là 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 là. Le compteur est un petit peu plus puissant. Donc... Oh merde, faut tourner! J'ai pas vu les colliseurs. Vous voyez que la simple erreur. Oh putain. Dégoûté quoi. Nit nit. La simple et moindre petite erreur est fatale. Il y a un mec qui a la même caisse que moi en face. Et la nitro est quand même quelque chose de très important. En fait, on a vu qu'on sautait d'un pont, hein, apparemment. Donc ça, en 5 tours, je peux avoir encore une chance de remonter. Mais là, il faudra pas que je fasse le con. Vous voyez qu'on monte sur un pont. Et là, on va sauter du pont, regardez. Hop, bim. Plutôt cool. Non, tu ne doubleras pas. Non. C'est mort. Va te faire foutre. Direct. C'est ma place. Je tiens à ma troisième place à défaut d'avoir les deux premières. Oh non. Culé. Mec, il prend par... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, you motherfucker, guys. Ok, bro. Oh. Si tu veux jouer à ça, mon gars, laisse tomber. Je vais te niquer. Ou pas. En fait, ma caisse, c'est une diesel. Donc du coup, elle galère un peu. Voilà, non, mais ça, non, vous comprenez, c'est une nouvelle caisse, faut l'optimiser, donc faut jouer encore avec l'ancienne pour améliorer celle-ci. Bref,
Wouh! Ok, succès progression, parfait. On a beaucoup de succès qu'on débloque, franchement. Moi, je vous recommande vraiment encore une fois ce jeu qui m'a laissé une excellente impression. Le multi est un peu vide, mais en même temps, vu l'heure qu'il est, ça ne m'étonne absolument pas. En tout cas, faut jouer avec des potes pour que ça soit clairement classe. Entre potes, ça peut être super sympa. En tout cas, si vous avez ce jeu, les amis, et que vous souhaitiez défier, bah, me défier moi ou me défier moi, surtout parce qu'il n'y a que moi qui a le jeu chez Unreal Game. Il n'y a pas de souci, n'oubliez pas qu'il y a la vidéo Unreal Game vs le reste du monde, vous postez un petit commentaire là-dessus, et puis vous pouvez me défier sur ce jeu, ce sera avec un grand plaisir les amis. Je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt, allez, ciao.